Alors, réarmer et réapprovisionner. It is regrettable that Brother Eturo presented himself from a position of weakness. That is far different than how a blood angel is typically introduced to the sanguinary priesthood. I must hope the first impression is not lasting on these Primaris. In fairness, Brother Eturo's disregard of our new brothers does himself no justice either. He overlooks their potential and sees only vat-grown test subjects with no worldly experience. I understand the root of the priest's skepticism. A century ago, I also would not have claimed any brother who had not supped from the blood chalices. But a century ago, I would not have believed that I would see us rescued from the brink of extinction. By Primarch Gilliman, no less. Brother Eturo's concern is that I would throw us headlong into death as some sort of penance for this guilt that weighs me. I am honor-bound to avenge my company, brother. But I know that we must act pragmatically. Pentasio had the skill and experience of a dozen full-blooded assault marines with him when he was bested. We will take this opportunity to retrace Brother Eturo's footsteps and rearm ourselves prior to breaching the infestation site. There are few problems that cannot be solved with a plasma weapon, in my experience. Ok, donc on va peut-être, si on réussit cette mission, on va gagner des Landspeeders et des Hellblasters, ça serait cool. On a vu ce que ça a donné dans le, pour ceux qui ont suivi le tutoriel, les Hellblasters. Les Landspeeders peuvent être pas mal aussi au niveau de la. Pour éclairer et faire du dégât et bouger vite. Alors, le Lord Commandant Dante a l'intention de gonfler les rangs de la 10e compagnie d'éclaireurs avec un nombre sans précédent de nouvelles recrues, mais pour l'instant, les seuls sont possibles pour le cours de chapitre sont les nouveaux Primaris qui débarquent du gros transporteur de fret d'Arcomagos Call. Après l'invasion du Léviathan, le grand prêtre frère Corbulo a mené ses prêtres à accomplir la tâche morbide de récupérer les glandes progénites de chaque frère de bataille qui ont perdu la vie en défendant la sainte planète Bâle. La poursuite de ce travail sur la seconde lune de Bâle par frère Aeturo est vitale pour la pérennité des Blood et des chapitres qui leur ont succédé et combattu ici. Ce bunker de munitions se trouve sur le chemin de la zone de récupération Xenos où Aeturo a perdu le contact avec le sergent Pentasio. Bien que l'armement de ce bunker ne risque pas d'être volé par les tyrannides, les réserves de munitions permettent à Kaerlon de demander le soutien des nouvelles unités de Hellblaster qui attendent sur Bâle. Ah, non, le speeder, j'avoue, ça ferait pas de mal, mais on va dire, toi à moi, et des Hellblaster, bah alors là, c'est encore mieux, quoi. Si ça peut percer des grosses armures ou des grosses créatures, moi je dis oui, hein. Allez, on y va. On va voir ce qui nous attend. These scattered remains have little left to recover. I doubt there is much here I can harvest. This is more than mere execution. The alien will suffer for this butchery. Ok. Eh ben génial, on peut déployer tout le monde, bah c'est nickel. Ça m'appelle dans Resident Evil 4 ce que je fais là. Alors je sais pas s'ils ont prévu de rajouter des races mitrandir, mais bon. Moi il y a une race qui me ferait kiffer, je pense que mon nom on dit un certain. Peut en dire long. Enfin, pas des vampires bien sûr, mais je pense que t'as compris de quoi quelle race je voulais parler. Une race cruelle et sans cœur, sans âme. J'espère juste qu'il y aura d'autres campagnes. Sanguinius watches. Allez, on va tester un petit peu nos armes et buffer là. Battle line squad ready.
Ah bah si c'est prévu. Si c'est que pour du multi, moi ça va pas m'intéresser perso. S'il y a des campagnes, pourquoi pas. On doit sécuriser le bunker de munitions. Allez, deuxième régiment d'exploser, c'est bien. Il y en a un troisième qui nous attend, mais il est un peu loin. Alors toi, tu vas prendre un sale coup dans les gueules. On les a fait reculer, ça c'est bien joué. Deuxième session. Vous allez reprendre une double session dès que possible. Donc là ils sont bien couverts, c'est bien. On va avancer comme ça. Pas assez de points d'action, dommage. Dommage, donc là on n'a pas fait assez de dégâts comme je le souhaitais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. The enemy thinks it can stay beyond our reach. Oh, mais il y a du people ici. Et tout. Sergeant, Captain Matano said we've been sent to help with your recovery. The aid is welcome. I do not wish to needlessly add to the bodies here. Oh. Là, on commence à parler un peu sérieusement, les mecs. Je sais pas vous. Par contre, le Belter d'eau, il est. Oh là là. Alors, attends. Je vais déjà le mettre là pour commencer. Ça, c'est la classe. J'espère qu'on aura des plus gros joujoux plus tard. Je serais pas étonné de voir des tanks, perso. Donc là, on va plus rien toucher. Donc, eux, on va les laisser en duo. Comme ça, on va pouvoir nettoyer un peu tout sous ce foutoir avant de revenir. Donc là, il faut qu'on progresse. Ok. On va pousser. Oh non, pas encore eux. On va reculer. Voilà. Et merde. Aïe aïe aïe, ça c'est ça, ça pue par contre. Ok, ils sont bien amochés comme ça, c'est fait. Bon, au moins l'unité là, c'est toujours ça de moins, c'est cool. Ah, ils ont des armes. Ouf. Eh, hey, ça c'est... Ok, donc on peut détruire une unité comme ça quasiment. Ça c'est cool. On va essayer de rester groupé.
Bon, on a déjà nettoyé deux des unités ici, par contre eux ils vont être horribles. Oh, il y en a qui a bien mangé là, c'est cool. Donc logiquement eux ils peuvent plus bouger. Par contre eux ils vont être trop doux. Et en plus ils sont doux. Attention, ça va. Bon, ça va, ils tiennent bon. Quelle idée que je les ai mis deux aussi. Bon, pour le moment on tient bon. Oh, il y en a encore là. Bah avec nos véhicules, on va être prudent, hein. Mais bon, eux, ils peuvent nous faire une bonne force de flanking, là. Bon, ça va, ça encaisse. Bon, ça va, ils ont encaissé le gros des dégâts, c'est cool. On va réfléchir parce que il y a du people, hein, on est qu'on soit d'accord. Déjà, on va commencer par nos véhicules. C'est eux qui il nous faut du renfort. Eux, ils pourront faire la différence. On a vu ce qu'ils sont capables de faire. Donc, le land speed, les deux land speeders. Tu viens là et tu fais feu. Voilà. Ok. Donc lui, je vais le mettre là en attendant. Pilonnage. Parfait. Comme ça, eux deux, ensemble, ils peuvent nettoyer une unité. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Maintenant, on se concentre sur le front principal, parce qu'il y a du people, comme vous le voyez. On va falloir bien réfléchir. Ok, donc là c'est bien. Là il va nous faire du support. Eux on va les laisser tranquilles. On va essayer de faire du dégât avec eux là. C'est, ça passe, ouais. Putain, et c'est costaud, hein. Mon dieu, mon dieu. Excellent. Bien joué ici. Il faut qu'on commence à tirer dans la masse ici. On va les rapprocher. Toi, tu vas me donner un petit boost à eux. Bien joué. Là, il n'y en a plus. Il y en a un qui est tombé, ça c'est cool. On a une autre squad marines tactique. On va achever ici. Parfait. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on commence à tirer là-dessus? Il fera du combien? Pff, ouais, c'est ça, 8. On va soigner. On va tirer. Et on reste en mode surveillance comme ça. Ça bouge bien, ces saloperies.
Ok, est-ce qu'il nous attaque? Ah, ils vont attaquer quoi? Ouais, là ils ont mangé par contre. Et leur poison. Les unités groupées, d'accord. Aïe 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 aïe. Ils sont nombreux. On va commencer à tirer ici. Ok. Une petite couche. We are the sons of Sanguinius. Alors, dans le tas, on y va. On lui s'est replié. Pour un instant. Qui est tombé hein. Je tentais de me barrer. Ah ouais. The blood of Sanguinius flows in my veins. Of course. Là j'essaie de voir si je peux les shooter, mais c'est de la cochonnerie hein, ces trucs. Bon, il y a encore une unité qui arrive ici. J'espère qu'on pourra monter après. Si on peut monter là, ça serait cool. Aïe, ah, le poison, ça fait mal. Hein. Oh, oh, oh. Oh putain. Ouais, hop. Beau travail ici. Alors, un peu ce qui nous attend. Donc faut qu'on s'en décide. Ok. Ça marche. On court. Bien joué, ça c'est cool. Faut pas oublier cette unité derrière nous. Hein. Donc
là on est en train de se barrer. On essaie de regrouper tout le monde pour faire une armée assez forte. Ah bah c'est sûr, ils ne passeront pas, comme tu dis. Ok. Bon. Il est temps de commencer à nettoyer. Des petits soins, c'est cool. Ça tu... Oh, ça tu, tu combattes lui et les deux escouades d'assaut, tu peux tellement te mettre bien. Voilà. On surveille. On va mettre de l'impact. Parfait, ils ont bien été réduits comme ça. Cassez-vous. Voilà, ces tyrannies de la sont détruits. Donc okay, on a au moins 3 unités ici, d'accord. Ok. Voilà, ça c'est cool. Vous trois. Alors, vous, toi, tu vas venir là. On va essayer d'achever ces derniers tyrannies de là-haut. Parfait, bien joué. Une unité de moins, c'est cool. Bon, maintenant, va falloir aller les zigouiller, eux. Et ça va être une autre paire d'arranches. Alors déjà, les soins. The blood is strong. Do not falter. You
Ouais, on va leur casser la gueule. Oh, ils sont nombreux ici. Voilà, ils se replient. On va aller là. Évidemment, on va se faire shooter en vol, bien sûr. Oh là là, que des sacs. Bon, ça va, on a réussi à atterrir où on voulait. Mais on peut pas attaquer. Alors ça, ça pue. With the day's darkest, we prevail through control. Bon, ça, ils sont que... Ils ont l'air que pas être que 4. Allez, on va tenter de tirer dans le tas. Pas de mort, dommage. C'est cool. Nos véhicules. Bon, ils peuvent rien faire de plus. Ils sont nombreux. Ils vont se retirer ces deux-là. Là, ils vont nous cartonner les marines d'assaut, ce qu'ils veulent. C'est que du tir. Ouais, vas-y, allez, cartonnez-moi tout ça. Alors toi, tu vas m'achever celui-là. Ouais, 7 sur, quand même 6 sur 8 d'abattus, c'est pas mal du tout ça. Excellent. Ah, c'est sûr que c'est plus difficile de courir avec des grosses armures. Hein. Un petit lance-grenade. Ok, cette unité-là est complètement annihilée, c'est cool. Parfait. C'était les derniers ici. Le carnage qu'on aura fait quand même. Eux, on va les soigner, comme ça sera fait. C'est pas mal. Nous dans le speeder là. Ils peuvent. Eh, on pourrait contourner en vrai. Bon, déjà on va se mettre là, admettons. Voilà. On va faire le tour avec eux. On a vu les dégâts qu'ils peuvent faire là. En duo. Donc il y a encore au moins deux unités. Mark, the bunker is secure.
But we'll take what we need. The Logisticium will catalogue the rest. Tenez le bunker des renforts tyrannides. Ok, d'accord, on a compris. Va falloir le tenir. On a fait un beau carnage quand même, hein. Déjà rien que sans des renforts. En vrai, on pourrait foutre des unités là et là, hein, quand on y réfléchit. Ouais, je crois qu'on va mettre nos deux mitrailleuses sur les points de chaque bunker et on va commencer à tirer dans le tas pour ce qui arrive. En espérant que les Landspeeders puissent faire le taf en derrière. Tout seul de leur côté, c'est juste ça que j'ai peur. Mon yacht pourrait être là. Allez, le prêtre. Chut. Bon. Alors là, je vais essayer de me mettre là avec lui. Tu vas me moissonner de ces termagants. Oh, ils ont pas aimé du tout, tu me diras, je peux les comprendre. Parfait. Oh oh, oh putain, il y a du people, d'accord. On va se reculer sagement. J'espère qu'ils vont revenir vers le bunker, justement. Thermagon. Non, pas Thermagon. C'est des. C'est des trucs empoisonnés, là. Ok, ils nous attaqueront des deux côtés. Mettons-nous là. Pas mal du tout ça. Au venant, on va les focus. Pas mal du tout. Pas grand chose encore. Hein. On va essayer de se mettre là en tir de surveillance. Eux, il faut les soigner parce qu'il y en a un qui est mort et à mon avis, ils vont pas tenir. Hein. Je laisse les sergents surveiller quand même en cas de pépin. Les Landspeeders là. Oh, il en a one shot, il en a éliminé un, ça c'est plutôt pas mal. Là ils sont dans là ils ont les amis mal là les deux. Donc les Landspeeders contre ce genre de truc ça peut être pas mal.
Les jolis pelotons. Bien joué. Full vigilance, ça a fait le taf. Ok. Les thermagons, ils jettent sur nous, ça c'est bien. Ça va. Apparemment, le couvert nous a bien aidé ici. Alors, ce qu'on va faire déjà. Parfait. L'unité qui saute, ça c'est cool. Là, on va essayer de le soigner. The blood is strong. Do not falter. Ready to strike. Et maintenant, on va essayer de taper dans le dos avec les deux speeders là. Lui déjà il a pris tarif, c'est cool. Si on peut achever l'un de ces trucs là dans le dos, ça serait pas mal. Bien joué. Qui est tombé, c'est bien. Attention, il y a le poison. Oh putain, il y en a encore trois derrière, t'es sérieux? Ok, c'est mieux, ils sont restés à distance, c'est bien. Oh, il y en a encore, c'est pas possible. Bon, ça va, les trucs ont bien absorbé. Ok, ça c'est cool. Je crois que c'était pas le bon plan. Bref. Alors toi. Ouais, les grenades c'est cool pour taper des certaines unités d'un coup. Ouais, ils sont bien amochés, c'est bien. Il
tenter, hein. Oh, 2 PV, t'es sérieux là? Bon, après, on a ça aussi, hein, qui n'a pas encore intervenu, mais qui va intervenir. Parfait, encore une unité qui tombe ici. Toi, tu m'abats ça. Parfait, de 4. My vengeance will be fun. Tu me remets un coup de bolter. Ok. Aïe. Il va venir où? Ah, ça y est. Ouh, joli coup. Ils ont perdu 2 unités bêtement. Voilà. Eh ben punaise. Il n'y a plus que ces deux là encore. Et bon, on a les véhicules aussi qui nous couvrent, mais bon, attention. Ah, ouf. Ils vont tirer, je suppose. Ah non, ça va. Allez, oust. Parfait, ça c'est bien joué. On va y aller au lance-grenade, tant qu'à faire. Et là, on va essayer d'utiliser nos speeders pour achever tout ça. S'ils arrivent à viser, bien sûr que non. Et il nous reste encore une unité à aller chercher. Allez, go, go, go. On charge, on les achève. On les fait rentrer chez eux. Enfin, s'ils ont un chez eux. It is grim work you undertake, priest. It is not a task that I relish. The scale of our chore makes for comfortless service. In some ways, I am glad I have been relegated to this moon, where the bodies of our brothers are only stacked by the dozen. Alors, on a 7 points. Alors ça, c'est pour les agrès. Ça va être bien, des PV supplémentaires, on en a. Bon.
Alors, il y a un truc de déverrouillé, il doit avoir des raisons. On va déjà augmenter ça, ça va rajouter un point ici. Toi, stabilisateur plastique, précision de la portée pour les blasters, ça peut être utile. Et il me reste plus qu'un point déjà. Ok. Là, j'ai plus assez de points là non plus. Bah, là, je pense qu'on va être pas mal avec les blasters. Hein.